De quel pays vous venez, vous? Du Cameroun. Du Cameroun. Ouais. Un petit morceau de Cameroun que j'ai transporté dans un autre petit pays, Monaco. C'est une coiffe, comme on l'appelle, donc un tissu, on la roule. Là, je l'ai enroulé avec des épingles pour faire le roi. Normalement, c'est des tissus qu'on trouve dans les marchés. Et je l'ai adapté un peu à la tenue parce que normal, c'est souvent fait avec du wax. Et tout, je voulais moderniser ça, oui, par rapport à mon boubou. C'est un boubou du soir, ça. Oui, un boubou du soir, du Pakistan. Il vient du Pakistan? Oui. Wow. Aider les insuffisants rénaux, comme moi. Parce que vous êtes un insuffisant rénal? Oui. Ah, depuis chronique. Longtemps? Depuis 12 ans. J'ai fait des dialyses pendant 2 ans et demi. Ouais. Oui. De juin 2005 à décembre 2008. J'ai eu la chance d'être greffée. Bon, la première année, il y a eu beaucoup de complications parce que le corps... Rejette. Il y a un temps où le corps doit s'adapter au nouveau. Et vous habitez où? J'habite Lyon. Vous habitez à Lyon. Ouais. Et comment vous vous êtes rendu compte de votre insuffisance rénale? Comment est-ce que vous avez compris que vous aviez ce problème? C'est une maladie silencieuse. On ressent, c'est quand déjà à la phase terminale. J'allais au travail à 6h30 parce qu'il fallait ouvrir les guichets à 7h30 parce que j'étais cadre de banque et tout. Et un jour, je constate que je commence à m'essouffler et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas bien? Comme la fatigue continuait et je perdais l'appétit, j'ai donc fait des examens approfondis. Un des reins était atrophié et tout. Et j'ai donc fait des examens plus poussés. Elle me dit, ah, il y a le taux de créatinine qui est trop élevé. Une fistule là, après, on va prendre le sang là, on va le laver. Vous pouvez avoir votre bain? Ça fait 2 fistules là. Ouais. Parce que là, on pique là, on branche on change à la sang, machine. On lave le sang. C'est une maladie très chère, parce qu'on ne peut payer. Je lui dis, non, mais 20 000 euros, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, vous devez déjà payer la potion de 20 000 euros. L'argent qui va être récolté, va servir à acheter ce qu'on appelle le générateur, c'est-à-dire un rein artificiel. Il y a une société qui s'occupe de ça, qui s'appelle Adima. Oui. Oui. Cette année, c'est un basketteur camerounais qui transporte, qui donne de l'argent pour transporter tous les appareils de l'handicap pour l'Afrique. Oui, on a commencé par faire la sensibilisation pour que les gens de la population, oui, par rapport à la maladie. Ce qui est plus grave, c'est qu'on a 10 grandes villes, il n'y a que 3 grandes villes qui ont des générateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dépister? Et comme les gens ils se disent, oh, je ne suis pas malade, je ne veux pas faire quoi là-bas. C'est un problème de sensibilisation. Donc, dans un premier temps, c'était la sensibilisation, mais là, c'est grave. Nous, on a eu des moyens de la soigner, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces moyens-là et n'ont pas la chance d'avoir accès au système de santé, donc de collecter des fonds pour permettre à des familles de se soigner. En fait, il y a des personnes qui n'ont pas la même chance que nous, mais d'avoir accès aux soins. On intervient dans un premier temps au Cameroun, on intervient au Kenya, au Zimbabwe, là, tout à votre postal, parce que on a décidé de travailler avec différentes associations et on était bien à Monaco aussi. My name is Panayotis. I come from Greece, and I am in Monaco because I love Monaco. So it's IRA France, and IRA is a charity which is taking care of people who have problems with their kidneys. You have to go to the hospital and they change your blood. They are taking care of these people in Africa. My name is Corey. Where are you from? I'm from China. Are you on holiday? Yeah, in my holiday. Tell their children to do more important things to them. Okay, because children are the future. Yeah. This is it. Yes.
tout simplement par Thomas. Moi, en ce qui me concerne, je représente une académie en Afrique de football. Je suis aussi joueur professionnel de football. Comment vous appelez-vous alors, Michael? Michael Poteau. Je joue juste en équipe nationale du Bénin. Mais je joue en Europe, je joue en Turquie. Et là, j'ai signé dans un pays, à Chypre. Où j'ai grandi, beaucoup d'entre nous, de mes camarades, etc. Le sport le plus facile, le loisir le plus facile à jouer, c'était le football. Angé Haïf. C'est vous qui allez faire ce défilé extraordinaire? Absolument, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Merci. Antonia Gospodinova, un super événement ce soir à l'Académie Monaco, c'est le Grand Prix. Il y a beaucoup de charité, beaucoup des organisations européennes et surtout Monaco qui est beaucoup en premier plan, qui aide des orphelinats, des écoles. J'organise l'exposition d'art contemporain ce soir. J'ai promis à l'association IRA Africa de verser 10% de la vente à l'association ce soir, pendant la soirée de gala. Nous sommes à l'Académie de danse, on rappelle bien, c'est bien ça. Je suis artiste peintre, Alice Narga, et j'ai mis ce soir deux pièces pour la vente aux enchères. Une belle statue rouge appelée Les Fantasmes et une lithographie. Je m'appelle Tatou. Qu'est-ce que tu veux pas de Tatou dans la vie? Je suis une jambiste sportive. Hello, comment vous appelez-vous? Gabriel Hermann. Vous êtes footballeur? Non, je suis pas footballeur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis designer de mode et ingénieur dans l'informatique. C'est l'amour pour la danse. On peut pas être tout à fait développé dans un pays sous-développé. Donc on a décidé, quand maman a eu son rein, de créer une association. C'est pour ça que vous êtes là ce soir et on vous remercie de soutenir cette cause. La maladie, c'est comme la pluie, ça tombe sur tous les toits. Qu'on soit à Monte Carlo ou à Yaoundé au Cameroun, c'est pareil. This is his mother and she had a kidney failure for 5 years. She was on dialysis, so Thomas took this very seriously and he took it very personally. And this is where this beautiful charity and this beautiful event was born. I want to thank you for all joining us here in this beautiful gathering. On va débuter avec le lot numéro 1, c'est la pomme qui est devant moi. C'est une pomme qui a été offerte par un artiste et la pomme s'appelle Pomme Graffiti. L'artiste s'appelle Bull Einstein. Une fois, c'est bien vu pour tout le monde. Deux fois, mais pour la dure, donc monsieur au premier rang à 600 euros. Merci, merci de votre générosité. Avec une valeur estimative autour des 500 euros. Et on va débuter l'enchère avec un tout petit prix, on va débuter à 80 euros. 80, c'est bien 80 vu. 80 euros pour IRA Africa. 80 euros, c'est bien vu. On va donc la juger à 80 euros dans mon dos. On va débuter à 20 euros, une preneur à 20. Une chapelier fait des créations de chapeaux. Gold Dinger. Un très beau chapeau. Ces chapeaux se vendent à des prix beaucoup plus importants que celui qu'on va vous annoncer. Pas une enchère. Oui, une enchère. 100 euros au fond, très bien. À 80 euros, messieurs. 30 euros. 30 euros.
100 euros au fond pour le chapeau rose, c'est bien vu, maintenant on va taper le marteau. C'est un maillot original de l'équipe de basketball de Monaco, Roca Team. Donc 150 euros monsieur maître, on va l'indiger à 150 euros monsieur, debout, merci avec le chapeau, super. C'est une bouteille qui est signée à la main par Jean-Paul Belmondo. Allez, 100, voilà, maintenant nous sommes à 100 pour la bouteille, super. 100 euros pour la bouteille signée de la main de Jean-Paul Belmondo. 140, l'enchère passe à 140 euros avec madame. C'est un tableau mural africain en tissu woodine. Nous allons débuter pour ce lot à 100 euros. Moi je m'appelle Atavi. Et c'est vous qui avez dessiné cette robe merveilleuse? Oui, c'est moi qui crée cette robe. Enfin, mon showroom est basé à Antibes. À Antibes? Centre-ville d'Antibes, pas loin de la place de Gaulle. Et la boutique s'appelle? Atavi Couture. Des robes de soirée et des robes dans une collection aussi de prêt-à-porter. On fait aussi des costumes pour hommes. Nicole Carole Kidogbo de la marque Carole Art Création. Je suis la créatrice et la directrice de cette marque. Je me prépare à exposer, à faire une exposition de bijoux de luxe. À l'âge de 12 ans, j'avais déjà des prédispositions parce que je faisais déjà la couture. Je suis du Bénin, originaire du Bénin, où je suis née. Bon, je n'y ai pas vécu, voilà. Je suis partie du Bénin, j'avais à peine 6 mois. Et vous pouvez me faire voir quelques objets et vous oui, expliquer bien ce sûr. Qu'ils sont spéciales. Ben, alors là, par exemple, c'est une parure tout en cristal de Swarovski et labradorite. Et avec de l'argent massif. L'œil de tigre pour hommes, c'est une parure pour hommes parce que je crée des bijoux aussi bien pour femmes que pour hommes, que pour enfants. Ça, c'est du corail. C'est du corail, c'est du corail véritable. Non, il est joli celui-ci, le collier. Chaque pièce est unique. Je ne refais jamais deux fois le même modèle. Je considère que nous sommes tous uniques. Et donc, pour moi, mon plaisir, c'est de voir mon client heureux, de savoir qu'il est le seul dans le monde entier à posséder cette parure. Bonjour, me maquiller, et toi? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sonia Bibi. Et Bibi Sonia. Vous êtes ici ce soir, Sonia. Je vais défiler pour le styliste Ngaï, je suis mannequin. Je vais défiler pour le styliste Ngaï. Vous allez vous maquiller, vous changer. Voilà, je vais me changer, je vais me maquiller, on va se maquiller. On va faire un grand défilé. Pourrez-vous me reconnaître quand même, quelque part? Avec mes cheveux comme ça, mon pas de cheveux, vous me reconnaître quand même. Je vous en prie, merci. Je suis Esther Mbia. Je suis d'origine camerounaise et je vis sur Monaco. Je suis venue assister à ce magnifique gala. Je suis créatrice de mode. J'ai une marque de vêtements haut de gamme du nom de Herblin. Sport chic, haut de gamme et robe de soirée. Elle s'appelle Beyond Sport. Qu'est-ce que c'est comme association? C'est une association qui est en Afrique. On essaye de s'étendre partout en Afrique. Dans quel pays? On a commencé au Kenya. Là, on a des projets d'académie au Maroc, au Kenya, au Sénégal, et on essaye d'avancer petit à petit. Et notre but, c'est de créer des structures sportives dans des écoles pour pouvoir lier le sport et l'éducation, parce qu'on pense que c'est un vecteur universel. On donne accès à des structures sportives, c'est-à-dire qu'on construit des terrains de sport, quels que soient les sports, on construit des bibliothèques et des salles informatiques. I'm free.